Peggy 7. Re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pas totalement terminé mon truc. Par contre, je trouve que ça fait un peu épais. Ah, faire vite fait de ce côté-là. Ah, ça aurait été mieux en fait, finalement, de le faire comme ça. Merde. Et merde! Je pense que je vais casser un truc ici et je vais la faire un peu plus courte. Je sais pas ce que vous en dites. Parce que comme un con, j'en ai mis deux, mais ça sert pas à grand chose d'en mettre deux finalement. Ou quoique, fais voir vite fait avec un. Ouais, ça fait un peu trop après. Rapidement, je fais le test, histoire de voir ce que ça changera à ma vie. Hop, 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 hop. Ouais, bah après, t'es obligé de tout refaire, laisse tomber. Mais c'est pas grave, on va tout refaire. Hop, hop. Voilà, c'est juste ça qui me manque. Hein. Après le reste, ça va se faire tout seul. Voilà, là c'est pareil, les deux, on les casse. Et on fait juste ça. Merci, mais je te fous pas de moi. Voilà, merci. Donc je casse juste ces deux trucs-là. Ouais, ce que je trouve qu'en fait, ça fait de loin, ça fait un peu bizarre. C'est comme si on t'a collé le truc, quoi. Tu dis non, c'est sérieux là. Au moins. J'aurais pas cette précipitation maintenant. Voilà, on termine rapidement. Il faut que je rebois encore une potion. Là, c'est pareil. Ça, bon. Là, en tout cas, je démolis tout. Parce que le plus dur, en fait, c'est-à-dire, c'est de bien faire les choses. Soit parallèle ou symétrique ou qui ressemble à quelque chose, que c'est bien de faire des cubes en double, en triple ou en quatre, mais après ça ressemble pas vraiment à quelque chose d'esthétique, si vous voyez ce que je veux dire, bien évidemment. Donc voilà, heureusement que j'ai rattrapé le coup, j'avais pas tout à refaire, hein. Donc voilà, vous voyez, ça m'a pas pris plus de temps que ça, à part une petite rectification rapide, et on va voir de loin si ça fait bien ou pas. Je pense pour moi que ça doit faire mieux. De toute façon, j'ai l'habitude de tourner comme ça les structures, moi, chez moi. Hop. Voilà. Fais voir. De loin, je pense que c'est à ça. C'est beaucoup plus beau. Ouais, bah oui, largement. Hein. Que là, franchement, c'était trop moche avec le gros truc noir là. Hop, hop, on casse la moitié de la structure. Ouais, parce qu'en double, c'est pas terrible. Hein. Voilà, on casse tout ça. Pas trop profond non plus, sinon je risque encore de changer de couleur comme un idiot. Donc la potion, j'ai l'impression qu'elle a disparu. Non, c'est bon, en fait, elle était là. Eh, mais des fois, j'ai du mal avec ça. C'est bon. C'est bon. Mais après, je vais faire quelque chose encore. Je vous le dirai au fur et à mesure. Mais qui fait partie du bateau, bien évidemment. J'ai pas oublié la cabine aussi, hein, du commandant. Je suis en train d'y penser en même temps. Mais vu que ça reste un bateau, on va bien se marrer un peu. Alors là, 1, 2. C'est pareil, là, 1, 2. Et 3, le dernier. Et hop, on monte un peu. Pas trop. Voilà. Ça va être beaucoup plus cool. Voilà, là, on reprend la couleur noire. Voilà, la cheminée, elle va être presque terminée. Et le plus marrant qui va arriver, ça va être maintenant. Alors, où est-ce que tu es, toi? Voilà, la toile que je mettrai sur cette brique. On va bien se marrer. Alors là, c'est là que je déteste le plus, que c'est là que je maîtrise le moins aussi le truc. Oh, ça va faire trop carré, ça. Merde. En fait, je vais faire une traînée de fumée. Part de loin. Oh, faut que j'arrête, c'est moche. Franchement, c'est moche. Vas-y, j'arrête.
Je le ferai plus tard. Et en plus, je suis en train de m'emmêler dans l'araignée. Donc pour ceux qui ont des idées, ils sont les bienvenus pour faire une fumée. Parce que là, j'ai plus d'idées. Hein. Au niveau de la fumée, je parle bien évidemment. Je referme tout ça. Ça ressemblera au moins à quelque chose vu du ciel. Sinon, ça risque d'être un peu moche. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah là là, je perds la tête. C'est bon. Ici, ça va être presque fini. Voilà. Les deux cheminées sont fermées. On repart au niveau de la cabine. Alors là, on va bien s'amuser un peu. Tu vois, une petite triplette, mais voire 4. Donc ça reste une cabine, donc je vais bien m'amuser. 4, ouais, si tu veux. Alors maintenant, vu que c'est à 4. Alors 1, 2, 3, 4. Voilà. Je pense que juste ici, ça suffira à faire ça. Bon, je sais que c'est pas esthétiquement un truc de dingue, mais on s'améliore petit à petit. Hein. Waouh, qu'est-ce que t'as encore fait toi? Pourquoi c'est pas collé là? C'est un truc que je comprends pas là. Pourquoi c'est pas collé? Là, c'est ça, c'est ça. Ok, merci. Oui. En plus, j'allais tout recouvrir comme un con. Heureusement que je me suis arrêté à temps. Donc ça, on n'a pas besoin de ça. Ah, la potion vient de sauter. Même pas. Oh, c'est pas mal. Même pas sauté la potion. Non, parce que si tu fais ça, ça ressemble plus à rien. Voilà, on ferme tout ça ici, je pense. Là, t'as recouvert, oui, j'ai recouvert. Le toit, on va plutôt le laisser ouvert avec des vitres. Je pense que ça va être beaucoup plus cool. On va dire, Body, il fait que des trucs vitrés. Drôle de personnage. Il met que des vitres partout. Voilà. Derrière, je pense qu'aussi on va faire pareil. Bah, j'ai du mal à me prendre un petit peu à me projeter par rapport à la création là, au niveau de la cabine de commandant là. C'est le truc le plus galère à faire. Voilà. Ouais, si ça peut faire un bateau assez atypique. Même si je sais que ça n'existe pas, mais ça peut rester un truc assez atypique, ouais. Voilà, comme ça aussi je vois un peu derrière. Même si on n'a pas l'utilité, mais par contre si je vois derrière, c'est qu'il faudrait que je referme aussi derrière. Non, ouais. Non, je crois que je vais refermer derrière, parce que la cheminée à côté, ça fait un peu con en fait. Tu mets une cheminée, mais tu vois la cheminée, quoi. On dirait que t'as des rétros derrière un bateau, quoi. Donc mieux vaut refermer, ça va être un peu plus correct. Comme ça, je suis pas en contact avec ce truc. Voilà, nickel. Voilà, la cabine, par contre, je vais doubler le truc ici. Parce que pour moi, ça fait un peu trop surchargé. Voilà, tu vois, en plus, ça tombe bien, parce que comme ça. On va être beaucoup plus tranquille après. Maintenant que j'ai fait ça, alors ici, qu'est-ce que je peux faire? Un petit pont en dessous. Je peux continuer tout simplement mon pont. Mon pont. On va encore le faire descendre un peu. Je reprends une petite potion. Aïe aïe aïe, puis une deuxième. Et on reprend le bois. Donc désolé hein, de recasser encore à nouveau. Allez, je vais faire le test. Jusqu'où je vais mettre ça. Oh, de toute façon, on s'en fout, on verra bien. Comme ça, je fais pas de gâchis, si vous voyez ce que je veux dire en fait. Les personnes pourront profiter du pont.
Derrière, je vais faire, tu sais quoi, tout le pont, et au pire des cas, je mettrai le truc juste derrière. Donc derrière, ouais, derrière, ouais, c'est ça, ouais. Je laisserai peut-être le truc un peu plus après. En fait, à partir de là, je pourrais faire un endroit pour lequel je pourrais accéder. Un peu plus à cette zone. Après, il faut que je fasse un petit peu une chambre VIP et tout. Putain, la vache! La vache, comment ça se corse! Et après, je vais m'occuper un peu de l'extérieur parce que pour l'instant, je suis en train de négliger le truc aussi. Mais bon, je suis pas non plus constructeur de bateaux d'origine. Donc c'est pour ça que ça galère. Voilà. On fait ça comme ça. Maintenant, donc que tu as installé ça ici, je pense que le mieux, c'est de fermer là. Le truc. Ah oh, putain, encore un peu, il m'en manque. Encore un tout petit peu et c'est bon. Je pense que là, on va vraiment finaliser cette cabine. Voilà. Je me prends la tête juste pour un bateau en fait. Comme tout à l'heure, vous allez voir, je me prends la tête juste pour une pyramide. Bon, ici, on finalise ça. Voilà. Un petit espace. Waouh. Bon, pour l'instant, je laisse ça comme ça. Je réfléchirai comment faire après. Mais juste déjà, je vais refermer un peu la zone ici. Parce que je trouve que le bateau ne tiendra pas sinon, soi-disant. Voilà. Voyez, ça réveille quand même, hein. C'est vraiment pas évident de faire un truc comme ça. En tout cas, ça piquait un peu quand même, hein. Ça, on va pas se mentir, c'était pas si facile que ça. On va un peu plus solidifier la colonne. Encore. On met 4 histoire de faire semblant que c'est super solide le truc. Même si je sais que c'est pas trop le cas. Alors là, pareil. Donc là, on solidifie là aussi. Oh, comment c'est monté d'un coup là par contre? Putain, la vache. Voilà, nickel. On va faire rapidement le pont. Ouais, ça peut le faire finalement. Si, ça peut le faire. Et même en bas, je pourrais même faire encore un espace. Comme quoi que. Si, si, ça peut le faire. Donc juste la cheminée. Après, il faudra que je fasse un truc logique. Oh, aïe. Ça risque. En plus, regardez, il y a le truc jaune en plus qui est là. C'est super marrant parce qu'on voit en fait un éclat jaune en fait ici. Voilà. Non, on le voit quand même. Une petite imperfection. Je suis le roi de rien du tout. Si ça va, ça prend un peu d'esthétique. Bon, maintenant je continue un peu le plus chiant. Le plus chiant, je le continue. Alors là, on va bien se marrer, parce que je vous le dis, hein. Alors, ouais, c'est ça. Ouais, le plus chiant, ça va être là. Hein. Ça va être ça le plus chiant, pour ma part. Hein. Je sais pas si c'est pas bien de le mettre tous les deux cases. Quoique aussi, ça peut donner un peu de charme, mais tous les deux cases, faire à quoi ça ressemblerait à tous les deux. Ouais, tous les deux, c'est mieux en fait. Ça m'évite déjà de me prendre la tête. Donc la laine noire, donc 1. Mais en fait, c'est con parce que là, c'était tous les combien? Tous les 1, 2, ouais, tous les deux, ouais. Donc vous voyez? Hop. On remet un petit coup de laine. Rapidement, je ferme tout ça. Aïe. Donc 1, 2, 3. 1 fois 3, 3,
là. Alors ça fait 1, 2, 3, 1. Putain, tu vois comment je perds la tête. Regarde, 1, 2, 3. Parce que si je me trompe, c'est ça la merde après. 3, 1, 2, 3. Surtout, tu vois très mal dans le noir comme ça. Oh, le papy, on dirait que j'ai jamais joué au truc, quoi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sais pas ce que vous en dites, mais... Là, j'ai fait 4, tu vois. Comme un gros con. C'est là, le 3. Alors, de l'extérieur, ça donne quoi? Ça prend un peu de la gueule, tu vois. Donc, ça va, je suis quand même content. Même si c'est pas encore finalisé totalement. Oh là là. Par contre, de l'autre côté, je vais pas me faire chier, hein. Je crois pas, hein. Si, je vais quand même tout faire bien, sinon vous allez me dire, ah, mais t'as pas fait l'autre côté. Merci, hein. Je m'en souviendrai. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant. On va s'amuser un peu. Ça va être un peu plus facile maintenant, je pense. Voilà. Voilà. Et voilà. Je fais quelques points de repère. Histoire de... Voilà. Alors, on casse ça. Ouais, on casse. Attends, je vais me mettre comme ça. Je pense qu'ici, c'est comme ça. On va faire chaque truc dans l'ordre. Je pense que ça va être mieux. Putain, hey, mais la barre là en plein milieu de tous mes trucs est en train de prendre tout l'écran. C'est bien là. Là, ça devient un peu plus facile en fait. C'est juste le premier truc en bas qui est chiant à mettre en place. Et après, les vitres se font naturellement tout seul. Voilà. Voilà. Je sais pas ce que vous en dites, mais on commence à prendre un peu forme du bateau. Et il commence à prendre forme. Mais après, il manque encore 4 étages. Donc ça va être un bateau à 4 étages finalement. J'imagine même pas tout ce que je dois faire. Encore. Ouais. Ici, la petite vitre, on va la mettre là. J'ai cru, j'étais passé un peu trop vite. Et je commence à loucher limite des yeux là, tellement que ça fait depuis ce matin que je suis dessus là sur la création. Après, il faudra vraiment que je commence à faire une pause. Parce que franchement, vous regardez les séries une fois par jour, mais moi je les tourne à la suite par moment. Enfin, le bateau, on va dire, je l'ai pas lâché, hein. Voilà. Ah, comme ça, en fait, ça m'évite de revenir et de savoir, de pas savoir où j'en étais, si vous voyez ce que je veux dire. Mieux vaut revenir, se dire, ah, bah là, tout simplement, Bodhi a fait ça. Ou là, ah, ma création, elle est presque terminée. Si tu vois ce que je veux dire, tout simplement. C'est une question de bon sens après. Je vais pas commencer à revenir 6 mois plus tard, parce que là, je vais être vraiment perdu. Et même pour vous, je trouve que c'est quand même désagréable de revenir après à... un laps de temps et de recommencer et de redébuter. Ah, mais j'en étais où? Attends, je vais examiner la coque. Tu vois, tu pètes vite un plomb, quoi, je pense. Donc, et après, je suis en train déjà de m'imaginer d'autres bâtiments qui vont arriver sur la carte. Mais chaque chose dans son temps. Voilà. Voilà. Plutôt cool. Alors, je regarde un peu de l'extérieur. Ici, ça va être mon quartier général, limite. Si ça va, finalement, je suis content. À part que je suis content à moitié. Pourquoi je suis content à moitié? Parce que les vitres, je les ai pas mis partout. Même si je trouve qu'il y en a un peu trop. Mais c'est pas grave, c'est ça, de toute façon, un bateau. Je les mettrai un peu partout. Même jusqu'aux cabines devant après. Vous voyez, on va les mettre. Ouais, je vais quand même en mettre un peu plus. Que je trouve quand même ça fait pauvre devant. Et généralement, tu as même des cabines. Je sais pas, j'ai jamais pris le bateau, mais je pense que tu en as même devant. Je sais pas ce que vous en dites. Alors là, peut-être qu'il y en a une là. Une là. Une là. Et une là. Après, c'est pareil de ce côté-là. Pareil de ce côté-là. Donc je peux en mettre, hein, tu sais quoi, je vais en mettre. Hein. Voilà. Alors,
Hop, on va s'amuser un peu. Par contre, le mec qui est juste devant, ça va piquer. Hein. J'ai un peu de mal à bien viser là. Attendez. Voilà. Je suis pas sûr si ça va faire peut-être un peu trop, on verra bien. Mieux vaut en faire trop que pas assez. Putain, je me suis trompé. Aïe, 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 aïe. C'est bon. Là, ouais. Là, oui. Waouh. Furé, je commence à péter un plomb avec ces trucs. Là, ouais. Et là, ouais. Le dernier étage. Et après, c'est bon. On va respirer un peu. Voilà. Et dites-vous bien tout ce que je suis en train de faire. Faudra après faire des étages. Non mais Body, arrête de tirer n'importe où. Voilà. Et là, je pense de loin, ça va être beaucoup plus esthétique. Je sais pas ce que vous en direz. Vous m'en direz de vos nouvelles dans quelques instants. Allez, je regarde. Il y a juste l'OVNI qui m'embête maintenant, qui ressemble un peu à rien. Si, là ça va. Là franchement on va pas dire non. Oui, là ça va. C'est un vrai bateau. C'est un vrai petit bateau qui s'est dessiné. Ça va, je suis quand même content. Malgré que c'est pas encore totalement fini. Mais voilà. En tout cas, il commence à prendre un peu de la gueule. Là, on reprend quelques trucs. Le papier est de retour aussi, j'ai oublié de vous dire. Hop. Voilà. Maintenant que le bateau est presque terminé, faudra qu'on fasse un pont pour pouvoir relier tout ça. Ouais. Et aussi faire mettre quelque chose ici, vous allez voir, parce que c'est bien de faire un bateau, mais il faut aussi faire une tour. C'est bien. T'es hyper mal aligné. Voilà, je pense qu'ici c'est bon. Suis pas certain de ma connerie. Maintenant, on va vraiment. Vous allez vous foutre de ma gueule. Jamais. Qu'est-ce qu'il va encore faire ce gros con? Bah, ce gros con, il va essayer de faire. Oh putain, c'est pas vrai. De changer la toile contre une petite barrière. Pour pouvoir faire quelque chose avec un. Oh, c'est pas vrai. Dommage que tu peux pas aller au milieu. Ah, ça c'est chiant ça. Donc désolé, je regarde encore si je suis bien aligné. Faut pas que je fasse n'importe quoi. Pour l'instant, je suis sur la bonne dalle. Ah, j'ai perdu tout sens d'orientation là. Donc est-ce que je suis bien centré au milieu? Je fais juste un test. Pas vraiment. Là, oui. Faut pas non plus que je le fasse trop devant. Ouais, là, ça doit être parfait. Alors maintenant, on va bien se marrer. Bah, finalement, une tour. Ouais. Comment vous dire ça? Une tour comme ça va être chaud. Et là, tu colles quelque chose ici. C'est de la tour de guet, entre parenthèses. Un peu comme dans Assassin's Creed. Non, j'arrête. Franchement, j'arrête. J'arrête mes conneries. Juste un dernier truc, je vais faire rapidement pour finir ça. 1, 2, 3, 4. Ça fout de ma gueule encore. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4. Ouais, je veux pas non plus en mettre trop. Et là, tu mets le noir. 1. Ouais, ça va faire un peu pourri. Donc ici, on va se faire un truc tout simple. Parce que dans chaque bateau, bien évidemment, tu as des drapeaux.
Alors là, c'est parti pour faire le mec un peu trop patriote. Alors, bleu, blanc, bleu, blanc. Putain, les mecs, ils se confondent le bleu et le blanc, le rouge. Et je suis tellement dans ma tête. Oh là là, 1, 2, 3, 4. Oh putain, le gros con, moi, des fois. Voilà, 4. Désolé, hein, c'est la fatigue. Oh, j'en peux plus. Le mec, le bleu, mais non, mais c'est tellement évident. Et le gars, il te fait quoi? Il te fait tout l'inverse. Oh, vas-y, va te coucher, hein. Voilà. Tiens, ça peut le faire, ça. On fait pirate. Et après, on aura juste de la structure à finaliser rapidement, sans se prendre la tête. Et voilà. Le bateau sera presque complet. Je sais pas ce que vous en dites, mais pour ma part, je suis satisfait de mon résultat pour un débutant qui a jamais fait un drapeau français. Il s'en sort plutôt mal. Non, je taquine. Franchement, je suis content parce que c'est la première fois que je fais un bateau. Donc malgré que c'est pas un bateau de pro, bah ça me permet de m'avoir déjà permis de faire marcher un petit peu ma tête et de mettre ça en place. C'est cool. Ah là, c'est un vrai drapeau. Ouais, parce que franchement, il était trop petit. Voilà. C'est le genre le tutup. Le petit drapeau, quoi. Je vais peut-être baisser un peu la hauteur, j'en sais rien. Parce que ça fait un peu genre le truc à la cheminée, quoi. Mais ce qui me dérange, c'est dommage qu'on peut pas mettre un peu incliné le truc. C'est pas trop trop grave, mais c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc pour l'instant, il est là. On a la pyramide juste derrière. Et c'est pas encore terminé mes créations. Il faudra que je rase tout ça là. Pour faire un vrai port en fait. Ok? À tout de suite les amis. Prenez soin de vous. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description, et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. À bientôt les amis, prenez soin de vous et à très bientôt.